Salut tout le monde. Écoutez, je pense que je vais vous lire un texte, puis on va voir exactement ce qui en vient de ça. Je suis obligé de l'écrire parce que c'est assez compliqué. C'est concernant le directeur des poursuites criminelles et pénales du ministère de la Justice du Canada et du Québec. Parce qu'il n'y a pas de directeur des poursuites criminelles et pénales au Québec et c'est-à-dire au Canada. Il peut y en avoir un au Québec, mais au Canada, là, ça ne marche pas comme ça. Mais ils font croire quand même qu'il y a tout le temps un directeur des poursuites criminelles et pénales, alors que quand tu entres aux poursuites criminelles et pénales, que ce soit au Canada ou au Québec, quand on est au Québec, bien, on est jugé par le fédéral à partir de la Cour supérieure et des cours, la Cour supérieure, la Cour d'appel et tout ça, alors que la Cour du Québec, bien, c'est une cour qui est complètement délictuelle, puis depuis 1988, a été créée ici, sans constitution, au Québec, sans absolument rien à cet effet-là. Donc, je pense que on s'entend bien là-dessus. Je vais commencer. Donc, Partners and Credit Incorporé, c'est monsieur Harvey Tulsch qui se trouve être le président de cette compagnie de recouvrement-là. C'est une compagnie de recouvrement, une agence de recouvrement qui se trouve à être délégué par le ministère de la Justice du Canada pour les directeurs des poursuites criminelles et pénales pour aller chercher un recouvrement de 3 500 $ à la personne juridique Jacques Normandin, c'est-à-dire Jacques-Antoine Normandin, parce qu'ils ont poursuivi Jacques Normandin pour la corporation 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Alors que c'est Jacques-Antoine Normandin qui a fait les démarches, c'est-à-dire c'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, moi-même, qui a fait les démarches pour Jacques-Antoine Normandin, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale. Et donc, je vais tout vous lire ça, puis vous allez comprendre. Donc, je parle à Partners and Credit Incorporé, au directeur des poursuites criminelles et pénales du Canada. Je leur dis ceci. C'est par rapport à leur dossier à eux autres. Le dossier de Partners and Credit Incorporé, c'est le numéro de dossier 2586-623. Et ce numéro de dossier-là, de Partners and Credit Incorporé, s'applique contre 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Et 91, 85, 88, 60 Québec Inc. est enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec sous le numéro d'entreprise du Québec NEQ 11 64 61 80 85. Jacques Normandin, lui, c'est une personne physique. Donc, Jacques Normandin, qui a un numéro d'assurance sociale 231 249 525, lui est enregistré au numéro d'entreprise du Québec sous le numéro 22 62 62 91 75. Donc, là, vous avez déjà ces deux personnalités juridiques-là. Et vous avez la personne morale, qui est la corporation 91 85 88 60 Québec Inc., qui a été ouvert par moi, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, mais il fallait que j'utilise pas un être humain, mais une personne physique. Donc, la personne physique, ça se trouve à être Jacques-Antoine Normandin, sous le numéro d'entreprise du Québec, numéro 11 64 61 80 85. Donc, je leur dis ceci, en vertu de la loi. Sur le cadre technologique de l'information, sur la loi sur le cadre de technologie de l'information, qui a la même valeur que si on était devant la cour actuellement. Donc, aussitôt que c'est lu, c'est comme si tout le monde était au courant puis que les juges sont là et que tout le monde est là. Parce qu'oubliez pas que quand vous vous présentez en cour, vous êtes ex parte automatiquement parce qu'il n'y a pas un être humain qui est accepté dans le système judiciaire. C'est pour ça que votre ADN, la carte d'ADN, ça se trouve à être votre carte d'identité d'être humain, mais le gouvernement ne veut pas ça comme ça, lui. Il a pris la carte d'ADN par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et il a attribué cette carte d'ADN-là, hein,
à votre personnalité juridique. Donc, ils l'ont attribué, moi, à Jacques Normandin, 231-249-525. Et Jacques Normandin n'est pas baptisé. C'est Jacques-Joseph-Antoine-Pierre qui est baptisé, c'est pas Jacques Normandin. Et un nom de famille, ça ne se baptise pas. Monsieur Normandin, ça ne se baptise pas. Vous comprenez? Donc, je commence comme ça. Je vous tiens responsable de mon emprisonnement, d'être victime de la sanction depuis 2004 du permis de conduire N6555-1306-5105. De la sanction aussi de la carte d'assurance maladie NORJ-5106-1311 et de l'abolition des droits civils statutaires de la personnalité juridique Jacques-Antoine Normandin, numéro d'entreprise du Québec 11-64-61-80-85 et de la personne physique Jacques Normandin au numéro 22-62-62-91-75. Le droit statutaire, je les tiens responsables justement d'abolition des droits civils statutaires de la personnalité juridique, des deux personnalités juridiques que je viens de vous nommer. Qui m'ont été confiés et qui sont inanimés. Ils ont été confiés à moi, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, sans nom de famille, c'est seulement mon nom de baptême. Et ce sont eux, des personnalités juridiques inanimées, intemporelles, depuis le 23 août 1794, parce que votre nom de famille est né par la loi et vous êtes obligé par la loi de porter un nom de famille sous peine d'emprisonnement. Et c'est depuis le 23 août 1794 par la loi 6 du Fructidor de l'an 2. Donc, Partners in Credit Incorporé, numéro d'entreprise au registre de Revenu Québec, son numéro d'entreprise là, est 11-60-95-49-63. Et le président, c'est un avocat, c'est Maître Harvey Tulch, au 514-849-1289, c'est son numéro de téléphone. Je vous invite à consulter le dossier judiciaire du juge Serge Champoux au numéro 455-01-011-755-117 qui confirme l'application de ma fonction de représentant autorisé de la personnalité juridique aux minutes de l'acte notarié 17L233-00096 qui met en défaut et en infraction par le dossier judiciaire 200-22-028-373-041 et par le dossier judiciaire 460-36-00-0084-046 de l'honorable juge Furinal Fréchette et par le dossier judiciaire de la Cour municipale de Montréal numéro 721-773-710. Les gouvernants, donc judiciaires et politiques, tous azimuts, qui violent par la loi, parce que, étant donné que ces dossiers judiciaires-là ont confirmé la distinction, selon l'article 1 du Code civil, qui fait la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, bien, ces dossiers-là sont violés par les gouvernants judiciaires et politiques, tous azimuts, qui violent par la loi LRC, donc la loi fédérale 1985, chapitre O5, la loi sur le silence à perpétuité, qui est à l'intérieur de la loi sur la protection de l'information. Et c'est par les jugements, les notes sténographiques, les replicages audio, qui forcent, actuellement, par mes dossiers judiciaires, l'application de l'article 1 du Code civil et de la Charte du Québec. Ça force nos politiciens, ça force les juges et les avocats à respecter par les jugements les fameuses lois en question, mais ils ne veulent pas les respecter. Mais vous, par exemple, vous êtes punis pour ne pas respecter les lois, alors qu'eux autres ne sont jamais punis quand ils violent les lois, mais c'est eux autres qui viennent chercher l'argent dans vos poches, par exemple. Donc, on peut dire ici qu'ils disent « Votre dossier, 2586-623, vise l'entreprise, vise à collecter l'amende de 3 500 $
de la Corporation 91-85-88-60 Québec Inc. Au numéro d'entreprise du Québec 11-64-61-80-85. Et puis, ils doivent tout simplement recouvrir cette amende-là sans déclaration, alors que cette compagnie-là n'avait pas de déclaration initiale et acceptée par le registraire des entreprises de Revenu Québec dans son contenu. Donc, si vous trouvez le certificat, il n'y a pas de charte dans cette corporation-là, elle a été refusée par le registraire des entreprises et même que mon nom ne paraît pas dans l'espace où il devrait paraître, alors que dans la corporation de Partners and Credit Inc., on voit M. Harvey Tulch, son nom et son adresse en dessous. Donc, si on parle du domaine du lieu en question, alors que moi, ils n'ont pas mis mon nom, c'est Revenu Québec, par le registraire des entreprises, qui a décidé ça. Donc, ils ont fabriqué une corporation à partir de Jacques-Antoine Normandin, la Corporation 91-85-88-60 Québec Inc., et ils m'ont emprisonné parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas prendre le certificat et le mettre en prison. Ils sont obligés de prendre l'administrateur, alors que je n'ai jamais été administrateur dans cette corporation-là. Cette corporation-là n'a jamais été fonctionnelle, même que quand j'ai été en prison, il a fallu tout simplement qu'ils prennent le compte bancaire de Jacques Normandin à la Caisse populaire des Jardins de Coansville, le numéro de transit 900027, le numéro de succursale c'est 815 et le numéro de compte bancaire c'est 038 132. Et donc, ils n'ont pas le droit de prendre le numéro d'une personne physique pour faire fonctionner une corporation. Mais ils l'ont fait, puis la Cour a accepté ça, puis ça a tout été déposé en cours, puis ils ont pris les renseignements sur ces documents-là. Critères de formation de l'entreprise Partners in Credit Inc. et le nom, à l'exemple de Harvey's Tulch, doit se situer au même endroit sur le certificat 11-60-95-49-63. Alors que ça, c'est pas vrai, là. Donc, quand on va regarder monsieur l'avocat, là, qui est supposé connaître tous les droits, toutes les lois et tout ça, là, Harvey Tulch, là, mais écoute, quand il va faire la comparaison entre la corporation qui s'adresse à Jacques-Antoine Normandin et celle qui s'adresse à lui-même, il va voir que c'est vraiment fabriqué parce que le registre des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec appartient à Revenu Québec. Donc, les juges n'ont pas le droit de révéler à l'article 1 de la loi de l'impôt sur le revenu qu'il n'y a pas de loi au Québec. Et c'est bien écrit comme ça, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, je mandate le directeur des poursuites criminelles et pénales ainsi que Partners and Credit Inc. Incorporé et par maître Michael Gagnon de Revenu Québec. Parce que Michael Gagnon de Revenu Québec, lui, il m'a tout simplement expédié une lettre, c'est-à-dire en 2017, prouvant que la Corporation 91-85-88-60 Québec Inc., pour qui j'ai subi une peine d'emprisonnement, donc j'ai purgé une peine d'emprisonnement pour cette corporation-là, il me réclame 3 500 $ d'amende, le notaire en question, Michael Gagnon de Revenu Québec, a reconnu que cette corporation-là n'a jamais fonctionné, et moi j'en fais la preuve en plus de ça, mais le juge ainsi que les avocats ne voulaient pas que je parle, ne voulaient pas que je fasse la preuve de ça, ils n'ont jamais, jamais voulu que je m'adresse à la cour, et ils voulaient tout simplement avoir ma présence, pareil comme une chaise, parce qu'oubliez pas qu'on est des choses, on est des meubles vifs qui se déplacent comme des animaux, en vertu de l'article 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 2001. Puis 2001, c'est la loi fédérale chapitre 4 qui s'applique. Donc, elle n'a jamais été active et l'administration de la justice a elle-même créé au transit bancaire 900027-815-038-132 par les formulaires RC-251 et T-1118 pour l'application de l'article 1 de la loi
de l'impôt sur le revenu, chapitre I3, qui définit la loi comme inexistante au Parlement du Québec. Veillé par le procureur, le protecteur du citoyen. Donc, je leur dis à eux autres, veillez par le protecteur du citoyen, utiliser le fonds de retraite CL5-2336-6340 de Jacques Normandin, qui traîne depuis 2016, là, de retraite, pour finir de voler en fiscalité les sommes qu'ils réclament, hein, la somme qu'ils réclament de 3 500 $ à la Corporation 91-85-88-60-Québec-Inc., qui finissent de voler ça, cette somme-là, qui a été formulée dans leur formulaire SJ-770, que j'ai refusé de signer dans l'espace délinquant, alors que c'est les greffiers qui ont signé dans l'espace délinquant. Par les greffiers, du fait que Justice Canada a refusé à 3 reprises ma signature de représentant autorisé pour des personnalités juridiques Jacques Normandin et 91-85-88-60-Québec-Inc. pour finalement accepter une de mes 3 signatures du fait que ma signature sur mon affidavit a été refusée par la Cour. Cette cour-là qui m'a emprisonné, et par les autorités publiques de la formation juridique 88, en violation de l'article 91 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Le registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec se permet de rejeter la déclaration initiale de Jacques-Antoine Normandin contre Jacques Normandin, 231-249-525, ce sont les numéros d'assurance sociale, RI et RTF, comme il accepte sans aucun critère de conformité, l'autorité publique, ce domaine-là, qui porte le nom d'autorité publique, hein, sous le numéro d'entreprise du Québec, numéro 88-31-85-76-83. Imaginez-vous que ce même nom-là a 15 autres entreprises qui portent le même nom de domaine. Et le nom de domaine, c'est autorité publique, ça appartient au gouvernement. Et quand vous ouvrez le document de recherche, vous allez voir qu'il n'y a aucun nom, il n'y a absolument rien là-dedans. Il n'y a pas d'actionnaire, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'adresse, mais ils sont toutes actives, ils sont toutes en vigueur. J'ai tout enregistré ça, j'ai tout imprimé ça, il y en a 15, alors que les autres n'ont pas le droit de faire ça, il n'y a pas personne qui a le droit de faire ça. Mais ça, c'est le gouvernement. Savez-vous pourquoi il fait ça? Parce qu'il vous vole vos impôts et vos taxes. Puis demandez-vous pas où va l'argent, ça va dans ces corporations-là. Des corporations anonymes. Il n'y a pas d'administrateur, il n'y a pas d'autre personne. Et j'ai écrit, et 14 autres numéros sur le même domaine, sans critère de conformité. Alors que moi, pour avoir 91, 85, 88, 60, Québec Inc., il fallait que je respecte tous les critères de conformité pour pouvoir avoir, c'est-à-dire même la déclaration initiale, qui fait partie des critères de conformité, puis la déclaration initiale a été refusée par le registraire des entreprises du Québec. Donc, on peut dire ici, selon la demande à Partners and Credit Incorporé, de prélever pour n'importe quoi. Partners and Credit Incorporé peut prélever pour n'importe quoi. Prouvé illégitime, illégal, délictuel, anticonstitutionnel, inconstitutionnel, malgré tout ça là, que je peux prouver, Partners and Credit Inc. a été mandaté par le directeur des poursuites criminelles et pénales pour collecter des sommes d'amende là, de 3 500 $, alors que je suis privé de mon fonds de pension depuis 2016 et ils peuvent tout prendre cet argent-là dans le fonds de pension. Ils n'ont pas le droit de me priver de mon fonds de pension. Ils n'ont pas le droit.
Donc, les sommes que cette organisation législative, judiciaire, fiscale, bancaire, etc., réclame aux propriétés intellectuelles inanimées et intemporelles normandins 231, 249, 525 et 91, 85, 88, 60 Québec Inc. En conformité avec les deux déclarations de décès différentes sur un seul défunt, puisque l'humain est décédé et la personnalité juridique ne l'est pas et ne mourra jamais dans son inexistence par la vie de la chose qui est définie. Hein, ils disent bien que la chose est en vie, elle est définie à l'article 6 de la loi sur le cadre des technologies de l'information, chapitre C1.1 du Québec. Donc, l'autorité souveraine se manifeste, si on veut, elle se manifeste, l'autorité souveraine du directeur de l'État civil du Québec dans sa fameuse sûreté, puisqu'on ne peut pas se prononcer là-dessus. Et vous avez en garantie, donc je dis tout simplement au gouvernement, au directeur des poursuites criminelles et pénales et à l'agence de recouvrement, vous avez en garantie la personnalité juridique inanimée et intemporelle, votre personne physique raisonnable du prénom Jacques, donc du prénom juridique Jacques, et de votre personne morale par son nom légal, surnommé Normandin, qui est son nom de famille du genre invariable, malgré son immatriculation d'assurance sociale 231-249-525. Donc je leur dis, veuillez vous payer cette extorsion qui est un rappel de produire une déclaration de revenus datée du 22 décembre 2017 au compte 83-889-45-58 RC0001. Donc ça, c'est encore Revenu Québec qui revient sur 91, 85, 88, 60 Québec Inc., qui a été prouvé pourtant par le notaire Michael Gagnon, sur une lettre qu'il m'a signée, comme quoi cette corporation-là n'a jamais fonctionné. Et regardez, Revenu Canada continue à venir essayer de me voler. Écoutez, ces gens-là devraient être emprisonnés, pas les employés de Revenu Canada, ceux qui sont à la haute direction de Revenu Canada. Diane Boutillier, c'est la première, la ministre du Revenu national, parce qu'elle a reçu mes documents cette année par le recours collectif contre Revenu Québec et contre Revenu Canada, puis elle n'a jamais répondu. J'ai toutes les accusés à réception comme quoi elle a reçu mes documents, mais personne n'a répondu à mes documents. Pour l'exercice 2016, déclaration T2, fondée sur les dossiers 455-73-000368-145 et le dossier 455-73-000367-147 concernant l'amende que le directeur des poursuites criminelles et pénales s'est engagé, s'est payé, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que le directeur des poursuites criminelles et pénales, actuellement, étant donné que je n'ai pas mon fonds de pension depuis 2016, il s'est payé. Mais il ne me dira jamais qu'il s'est payé là-dessus. Mais je n'ai pas l'argent, c'est parce qu'ils veulent me mettre en prison, c'est tout, pour 3 500 $, alors qu'il y a toutes les garanties, il y a la sûreté, il y a mon fonds de pension. Écoutez, c'est des voleurs et des bandits. Il s'est payé au fonds de retraite du client, hein, de Jacques Normandin. Le numéro de client à Retraite Québec, c'est CL5-2336-6340. Et ça, là, Jacques Normandin est supposé d'avoir reçu son argent depuis 2016 et il ne l'a pas reçu. Je suis son représentant autorisé. Donc, CL5-2336-6340, qui a été fondé par les articles 223.1 et 238 du Code criminel canadien. Ça a été fondé par ces articles-là, savez-vous pourquoi? Parce qu'ils ils ne reconnaissent pas l'être humain. Puis ça prouve là, là-dedans que même si l'ADN d'un enfant, dans le sein de la mère, ils peuvent le prendre, l'ADN de l'enfant, par un prélèvement sur le placenta, du placenta, ils disent que l'enfant n'est pas humain dans le sein de sa mère. Alors que les Vietnamiens, eux autres, à leur naissance, quand ils viennent au monde, à leur premier respire, ils ont un an.
Donc, ils sont humains à partir de la conception naturelle. Mais nous, ici, c'est une boucherie, le Canada. On parle de liberté, tout ce que vous voulez. On est une boucherie pour les humains. C'est des holocaustes qui se passent au Canada. Et ici, au Canada, là, écoutez, c'est une place, ça se trouve à être un peu comme un territoire pilote pour toutes les crimes qui peuvent se commettre sur la planète, là, puis qui passent en douce. Tu comprends-tu? Qui sont adaptés par la démocratie. Donc, on continue ici. Je vous charge, donc, je charge à ces gens-là 10 millions de dollars US ou CAD, mais je l'accepterai en dollars canadiens, pour posséder par le système de santé publique l'ADN. Parce qu'il possède l'ADN de moi, Georges-Joseph-Antoine Pierre, qui n'a pas de numéro d'assurance sociale, comme carte d'identité qui ont attribué à la personnalité juridique inanimée et intemporelle par les articles 223.1 et 238 du Code criminel canadien. Les garanties et la liquidité scripturale de votre personnalité juridique, qui est votre propriété intellectuelle, sont aux dossiers fiscaux jumelés. Numéro 500-22-0886610-31 et 500-22-091-915-041, dans lequel ils doivent, c'est-à-dire à ma personnalité juridique inanimée et intemporelle, qui est la propriété intellectuelle du gouvernement, ils doivent à cette propriété intellectuelle-là 1 million de dollars par mois à vie depuis le 9 janvier 2004 avec intérêt composé. Il y a aussi en garantie le dossier numéro 153-21-66 du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Ce dossier-là, numéro 153-21-66, Revenu Québec a fait un prélèvement de 1201,58 sur ce chèque certifié-là qui sort du compte du ministère de la Justice du Québec qui n'a jamais été déposé, qui est certifié. Et 4 ans après avoir reçu ce chèque-là qu'on n'a jamais déposé, Revenu Québec a fait un prélèvement sans autorisation, sans que le solde du chèque soit oblitéré ou que le chèque soit oblitéré. Le solde est toujours intarissable, inaltérable et imprescriptible. Et ils ont fait un prélèvement de 1201,58. Donc, ils peuvent faire des chèques de 48 000 $ pas plus que ça, mais autant de fois qu'ils le veulent. Autant de fois qu'ils en ont besoin. Alors que le registraire des entreprises de Revenu Québec et Revenu Québec, ça, c'est pas associé, ça ne fait pas partie de l'Association canadienne des paiements, c'est pas une banque, mais ils ont fabriqué leur argent scriptural. C'est seulement un stylo, de l'encre et une feuille, et ils prélèvent de l'argent de même. On appelle ça un prélèvement de droits de tirage spéciaux. La même argent qu'utilisent les banques pour prêter des hypothèques sur des maisons, sur des voitures, on appelle ça de l'argent NSF, de l'argent sans provision, puisque votre réserve de liquidité au Canada, ici, est de 1 800 $ par tête, et puis on est 36 300 000 à peu près de population. Et vous savez quand même que l'Association canadienne des paiements, en 2011, a enregistré des transactions au Canada, qui équivalait à 5 200 $ par tête, par jour. 5 200 $ par tête, par jour, enregistré à l'Association canadienne des paiements pour 34 340 000 de population. Ça, c'est ce qui est enregistré. C'est pour ça que je veux leur charger 2% sur toutes les transactions enregistrées à l'Association canadienne des paiements, puis abolir l'impôt sur le revenu. On a gagné là-dessus au recours collectif cette année. On a envoyé les documents à Diane Boutillier. Elle n'a pas répondu. Elle a des obligations par le contenu de ces documents-là. C'est tout caché. Les médias ne veulent pas en parler. Il n'y a pas personne qui veut en parler. Mais c'est tout conforme ce qu'on a fait actuellement. Et j'abolis l'impôt sur le revenu par le recours collectif avec les gens qui appuient mes démarches. Et le gouvernement n'aura jamais retiré autant d'argent de sa vie en taxes de toutes sortes, en revenus, même en abolissant tous les impôts au Canada. C'est pas compliqué. Fait que regardez, là, il va y avoir une augmentation ici à 12 $ de l'heure, alors qu'en Ontario, là, le salaire minimum va monter à 14, puis en Alberta à 15 $ de l'heure. On est une gang de rien ici au Québec. On est des nuls. Une maudite chance qu'on n'est pas séparés, mais on continue. Donc, il y a ce fameux dossier-là. J'ai aussi en garantie un PPSC 088-090-103 de 90 milliards de dollars.
Un PPSC, c'est bon. Il y a quelqu'un que je connais qui avait un PPSC de 1 500 000 $. Ça, là, tu crées ça d'un trait de plume. Tu n'as pas besoin de travailler absolument rien. C'est le gouvernement qui te donne ça comme ça. Pareil comme une sûreté, là, comme la sûreté qu'on a ici à l'article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Mais les gars ont eu ça. Puis il y en a une personne, entre autres, qui a eu cette sûreté-là, puis s'est acheté un Winnebago, un fifth wheel, flambant neuf. Et puis, sauf que la banque a fermé son compte de banque après qu'il a eu acheté ça. Mais il ne devait pas, puis ça a été payé au complet. Bien, j'en ai un, moi, il n'est pas à 1 500 000, il est à 90 milliards de dollars NSF. Et il a la même valeur, puis faites-vous-en pas cet argent-là. Je suis capable de vous, de vous servir avec ça. Parce que c'est votre argent. Pas besoin de ça pour vivre. Vous comprenez? Ça prend des imbéciles. Donc, cet argent-là, c'est l'argent du peuple. Puis, encore là, c'est de l'argent qui va être déposé dans le compte de la propriété intellectuelle du gouvernement, Jacques Normandin, 231, 249, 525. Puis, le gouvernement ne veut même pas l'avoir. Puis, même pire que ça, c'est que le gouvernement, il doit, actuellement, je demande au gouvernement de se payer le 381 000 $. Je continue, puis c'est écrit là-dedans. Donc, je n'ai plus de vrai folio bancaire pour Jacques Normandin, qui est le constituant. Donc, qu'il y a constituant, tout simplement, du compte bancaire 900027-815-038-132. Donc, je dis à nos voleurs, ça ne me donne rien de m'opposer à eux autres, veuillez continuer à voler au dossier judiciaire GST 6337-05 et 500-077-010-054 et au dossier judiciaire, par le dossier judiciaire aussi, numéro 500-71-24-0017-088, qui est le dossier judiciaire du recours du Barreau du Québec contre la personnalité juridique Jacques Normandin. Je leur demande de se payer le 381 715,74, qui est une cotisation arbitraire qu'ils ont chargée à Jacques Normandin en TPS, en TVQ en 2005. Ils sont venus chez moi, et ils ont laissé un papier sur la chaise comme quoi il y a eu une saisie, et ils ont jugé qu'il n'y avait pas pour 6 000 $ de biens dans la maison, c'est tout. Et tout a été réglé comme ça, alors que ces deux dossiers judiciaires-là, je n'étais même pas au courant. Ils ont procédé à exparté parce qu'ils savent que je sais que Jacques Normandin, il n'existe pas. Il ne vit pas. Celui qui vit, c'est celui qui est baptisé. Jacques Normandin, il n'est pas baptisé. Celui qui est baptisé, c'est Jean-Joseph-Antoine-Pierre, sans nom de famille. Vous comprenez ça, là? Ça ne prend pas un génie pour comprendre ça. Donc, et jamais je n'encaisserai pour les personnalités juridiques, physiques et morales, un retour d'impôt. C'est ça le problème ici pour tout le monde. Aussitôt que tu encaisses un retour d'impôt, tu viens de dire au gouvernement, écoute, t'es correct, toi, tu me voles. Mais en encaissant, je te donne l'autorisation de continuer à me voler. Il ne faut pas faire ça. Il faut arrêter d'encaisser des retours d'impôts. Il n'y a pas de loi ici. Il faut abolir l'impôt sur le revenu. Ça presse. Dressez-vous en arrière de moi. Ça me prend là, 8 millions de personnes en arrière de moi. Là. Puis vous allez voir que ça va passer et ça ne sera pas long. Dans un mois, j'ai tout réglé ça. Mais il faut que mon nom paraisse et soit public. Jacques-Antoine Normandin. Ils l'ont scanné. Ils ont tout simplement crié mon nom quand on a eu dans une manifestation à Québec. Et je pense que ça valait la peine. Donc, je continue ici. Physique et morale. Donc, c'est pour ça que n'encaissez pas le retour d'impôt. Par ailleurs, je demande, par les prestations de retraite, que les prestations de retraite soient payées à votre cliente CL5-2336-6340. Voyez-vous, je ne suis pas un cochon. Je leur ai demandé, je lui ai dit, depuis 2016, là, vous devez me donner mon fonds de pension. Vous ne voulez pas me le donner. Là, vous pouvez payer toutes vos amendes, toutes vos affaires avec ça. Alors que je vous dis, en plus de ça aujourd'hui, là, puis c'est public, là, CL5-2336-6340, ça c'est Jacques Normandin, 231-249-525, c'est son numéro de retraité pour recevoir les prestations. Puis je leur demande de payer ça à lui, puis de réactiver le compte bancaire à la Caisse populaire Brome-Missisquoi. OK? 900027-815-038-132.
de façon à ce que moi, je puisse mendier encore ce compte bancaire-là, au moins pour assurer ma subsistance. En 67 ans, ça commence le temps que je puisse avoir un petit peu de sécurité, puis j'en ai même pas. Donc, les autorités publiques ça, c'est ce que les autorités publiques m'ont confié, cette personnalité juridique-là, pour assurer ma subsistance d'humain non juridique par mon ADN qui n'est pas juridique. L'ADN, c'est pas pour être juridique, mais le gouvernement l'a rendu juridique. Donc, c'est là qu'on est une chose, puis jamais personne va essayer de me prouver le contraire. Donc, je réclame de la SAQ la somme de 2 millions de dollars qui sera déposée dans le folio 038-132 du transit 9-0027 de la succursale 815 des titulaires de cette institution financière-là, qui est la Caisse populaire des Jardins et le Mouvement des Jardins lui-même, pour le désigner constituant M. Normandin 231-249-525. Voyez-vous, quand on dit M. Normandin, on ne dit pas M. Jacques, là. Donc, je continue ici parce que ça va être intéressant concernant le dossier de M. Serge Champoux, le juge. Surtout, ne pas oublier que la Cour, au dossier fiscaux d'emprisonnement sous la matricule SHE-03-49-59-14, m'a menacé d'emprisonnement si je ne signais pas à la place, au nom et pour le compte des deux propriétés intellectuelles, c'est-à-dire des deux personnalités juridiques, Jean Normandin et 91-85-88-60 Québec Ing, si je ne signais pas les 7 déclarations de revenus, je me suis fié à leur bonne foi. Écoutez, ces 7 déclarations de revenus, puis c'était pas une déclaration indépendante, une pour Jean Normandin et l'autre pour la corporation 91-85, ils ont tout mis ça ensemble. Ils ont pris Jacques Normandin, ils ont fait ça tout ensemble pour les deux ensemble. Ça se fait pas. Tu peux pas mélanger la personne physique avec la personne morale. Mais là, ils viennent de prouver que la personne physique, c'est Jacques, et Jacques, ça n'existe pas. C'est l'article 4.1 de la loi sur la faillite, la loi B3 du fédéral. Et Normandin, ben, qu'est-ce que tu veux, ça se trouve à être la personne morale. Et je vous ai donné les numéros tantôt de dossier pour Jacques Normandin puis pour Jacques-Antoine Normandin. Personne physique, personne morale et tout ça. Donc, ces déclarations de revenus pour ne pas être emprisonné. Donc, je les ai signées à la place de Jacques Normandin, 231-249-525, RI et RTF, donc c'est le critère de reconnaissance de Jacques Normandin. Et puis, ça, ils m'ont demandé ça alors qu'ils ont volé, hein, le gouvernement, le Parlement canadien, le Parlement québécois, par leur ministère, leur administration de la justice, m'ont volé ma carte ADN, ils l'ont rendue juridique, et ils ont dit que l'ADN, le sang, hein, l'ADN là, du bébé que j'étais à l'intérieur du ventre de ma mère, là, hein, écoute, ils disent que c'est pour Jacques Normandin, alors que moi, bébé, j'ai été baptisé. Tu sais, ceux qui crachent sur la religion, ça ne me regarde pas. Ceux qui ne croient pas au bon Dieu, ça ne me regarde pas. Faites ce que vous voulez avec votre âme, ça ne me regarde pas. Pas compliqué. Je vais dire une chose, c'est que moi, je fais mon possible. Je vous dis la vérité. Et ce qui est important, c'est que vous soyez sensibilisés à l'humanité. Donc, on dit ici, Jacques Normandin, 231-249, qui a... le gouvernement a volé ma carte d'identité ADN, que la commission de la CCQ... Donc, ma carte d'identité ADN, là, c'est avec ma carte... d'assurance maladie NOAJ 5106-1311 que la Commission de la construction du Québec, la CCQ, a retourné, hein, au ministère de la Santé publique. Donc, eux autres, ils savent, un être humain, hein, il a son ADN, mais la CCQ, eux autres, là, Maître Michel Sinotte, là, quand il a pris la carte d'assurance maladie de Jacques Normandin, il l'a retourné à Santé Québec. Pourquoi? Parce qu'il sait bien que la carte d'ADN, c'est pas la carte d'ADN de Jacques Normandin, c'est supposé d'être la carte d'ADN, la carte d'identité d'un humain naturel, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, qui est baptisé sans nom de famille. Donc, je vais dire ici,
a été forcé à leur donner trois échantillons de ma signature. Ça, je reviens là-dessus. J'ai donc été forcé par la cour pour mon emprisonnement à leur donner trois échantillons de ma signature, dont un affidavit refusé par la cour. Et cette cour a finalement fait son choix d'une de mes trois signatures. Ma signature est comme mon ADN. C'est la même chose, comprends-tu? Elle vient de moi. Mon ADN vient de moi. Ma signature vient de moi. Elle vient pas de la personnalité juridique qui n'existe pas. Mettez-vous ça dans la tête aussi. Elle vient de moi. Elle ne vient pas d'un choix étranger. Là, elle est venue d'un choix étranger à la cour. Et pour cette raison, j'ai refusé de signer dans l'espace délinquant la formule SJ-770. J'ai refusé de signer dans l'espace délinquant ma signature à la place, au nom et pour le compte de la personnalité juridique que je représentais, qui est une propriété intellectuelle de nos deux parlements, celui du Canada et du Québec. Et cette personnalité juridique-là que je représentais, elle m'a été attribuée et elle a été reconnue par le juge François Godbout à Québec dans le dossier 200-22-028-373-041. Donc, j'ai donc été emprisonné après avoir signé par menace, alors que vous savez que le Code civil interdit déclare nul n'importe quel contrat si le contrat est signé par la menace. Ils m'ont forcé à signer, puis ensuite de ça, ils m'ont emprisonné. Par la menace d'emprisonnement, les deux formulaires SJ-770 pour les amendes. Ce sont les administrateurs de la justice à payer maintenant par les greffiers signataires. Le formulaire d'amende SJ-770 de 4 000 pour Jacques Normandin et de 3 500 pour 91, 85, 88, 60 Québec Inc. Alors que Jacques Normandin, vous savez que Guy Fontaine a dit à la cour que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, Jacques Normandin, c'était pareil. Mais le juge Gaétan Dumas a dit que c'était pas pareil. Il a dit que Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, il n'a pas le droit de représenter Jacques Normandin. Les deux étaient là, là. Guy Fontaine qui représentait Justice Canada et Mylène Boisvert qui représentait Justice Québec, ils étaient tous les deux là. Puis ils étaient là quand ils m'ont emprisonné. Quand ils sont sortis de la salle d'audience, là, de la cour supérieure, là, puis c'est le juge Dumas, Gaétan Dumas, qui est dans le dossier du lac Mégantic actuellement, qui vient de refuser le dictionnaire au jury. Bien, lui, il a caviardé. Le repiquage audio, donc l'enregistrement, quand que j'ai déclaré « Je vais m'identifier comme me l'a autorisé le juge Godbout. Mon nom, c'est Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé de Jacques Normandin. » Ça, il l'a fait effacer. Il n'avait pas le droit de faire ça. Donc, dans mon dossier à moi, il a fait effacer ça. Puis dans le dossier du lac Mégantic, il vient de refuser le dictionnaire au jury. Donc, c'est beau notre justice ici, hein? Donc, c'est pour cela que par ma carte d'identité d'ADN, je l'ai qualifié de voleur et meurtrier. Donc, je qualifie nos gouvernements de voleurs et de meurtriers parce qu'ils ont pris ma carte d'ADN, qui est ma carte d'identité d'humain naturel, spirituel et temporel, biologique, Jacques-Joseph-Antoine-Pierre, baptisé Jacques-Joseph-Antoine-Pierre. Puis un nom de famille ne se baptise pas. Mettez-vous bien ça dans la tête. Et je me souviens que mon frère Yves Normandin est allé ici au presbytère à Cointville pour demander son extrait de baptême, pas de naissance, mais de baptême, parce qu'il n'y a pas de naissance. Dans la religion, c'est un baptême. Alors que la naissance, c'est civil, c'est juridique, et quelqu'un qui naît juridique n'est pas humain, sauf au Vietnam. Je ne sais pas s'ils sont chrétiens, catholiques ou quoi que ce soit, mais ils sont au-dessus de bien du monde parce qu'eux autres reconnaissent qu'au premier respire d'un enfant vietnamien, quand il vient au monde, il y a un an. Donc, l'année suivante, il va avoir 2 ans. Alors que nous autres, c'est certain qu'on n'a pas un an, on a un an l'année suivante. On n'est rien dans les 9, dans les mois qui suivent notre naissance, on n'est rien jusqu'à un an. On a dit, OK, il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 3 mois, mon petit gars. Non, il n'y a pas 3 mois. Oublie ça, là. Il y a déjà 9 mois dans le sein de la mère. Tu comprends-tu? C'est technique, c'est tout. Puis, même si l'enfant est prématuré, tu n'es pas obligé d'avoir la date exacte.
Ils savent que ça, c'est normalement, ça prend tant de jours pour la naissance d'un enfant. Et un enfant, c'est un humain. Alors que l'article 223.1 et 238 du Code criminel décide à quel moment la justice a décidé qu'un enfant devient un humain. Donc, pour être un adulte, il faut avoir été un enfant. Pour être un enfant, il faut avoir une conception naturelle. La conception naturelle, là, c'est la fécondité de l'ovule de la mère. C'est le mélange des gamètes ensemble qui fait qu'il va y avoir fécondité à l'intérieur et le bébé va se développer. Ça va être un embryon, ça va devenir un fœtus, puis ça va devenir un enfant. Mais ça, c'est pas reconnu. Dans l'homme, on ne reconnaît pas ça. Et elles reconnaissent la conception naturelle des plantes, des animaux, mais pas des humains. Ça, c'est ici au Québec, au Canada. Et aux États-Unis, c'est pas comme ça, parce qu'aux États-Unis, c'est très mitigé, étant donné que les États-Unis, c'est quand même l'association de pays indépendants sous un même gouvernement central. Alors qu'ici, ben, le Canada, c'est une poubelle, il n'y a plus de constitution fédérale qui est correcte. Ils ont trompé la reine d'Angleterre, ils m'ont trompé moi, parce que je suis le gardien des intérêts de la reine d'Angleterre et des intérêts de tous les humains dignes et loyaux sujets qui pratiquent une religion quelconque. Qu'ils soient protestants, qu'ils soient catholiques, qu'ils soient musulmans ou qui que ce soit, c'est des humains. Quand tu as une âme, que tu pratiques une religion, tu es un humain. Et ça, il faut comprendre ça. Sur ce, bonne soirée. Je ne sais pas combien de temps que ça a duré. Je vais voir. J'espère que vous allez l'accepter et puis que vous allez répondre à ça. C'est un document juridique en vertu de la loi C1.1 du Québec. La loi sur le cadre... des technologies de l'information qui a plein pouvoir. Puis n'oubliez pas hein, que les juges, en vertu de l'article 3, en vertu de l'article 3 du Code de procédure pénale, ont autorité souveraine absolue et en vertu de l'arrêté en conseil de 1897, chapitre 53, OK? Ont le pouvoir absolu au-dessus de toutes les lois, au-dessus de tous les parlements, au-dessus de tous les gouvernements. Ils peuvent décider n'importe quoi vis-à-vis n'importe qui en violant n'importe quoi, n'importe qui dans l'exercice de leur fonction. Vous comprenez? Ils peuvent faire n'importe quoi. Donc, on ne peut aller devant les juges. Ça ne donne absolument rien. Celui qui perd en cours, c'est une victime. Mais il est allé en cours. Donc, à quelque part, il est délinquant parce qu'il est allé devant des bandits. Mais il ne sait pas qu'il est allé devant des bandits, donc il ne peut pas être vraiment délinquant. Et celui qui gagne, c'est un autre délinquant. Parce que lui, peut-être qu'il savait qu'il était devant des bandits, des juges. Alors, regardez tout ce qui se passe, là, ce qui s'est passé, commission Charbonneau, puis tout ce qui se passe ailleurs. Hey, écoute, quand on regarde là, la crise du verglas, ça a passé, il y avait des milliards de dollars là-dedans. Ça a passé en cours, ça a traîné. Les gens, là, les victimes ont eu 54 pierres chaque. Donc, c'est une caisse de 24 de bière avec peut-être une caisse de 6 ou de 12. Là. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est rien du monde, ça? Hein? Continuez à payer des impôts? Hein? Alors que moi, je m'en viens avec une taxation de 2% de l'Association canadienne des paiements. OK? Qui rapporterait quasiment 3 fois plus que toutes les taxes et impôts collectés dans un an. Ici, au Canada, que le gouvernement met dans ses poches. Hey, écoutez, ça nous permettrait de rapatrier, de permettre aux gens qui sont riches de ramener toute leur fortune des paradis fiscaux ici dans les banques canadiennes, même si c'est des voleurs. Au moins, ils pourraient ramener tout leur argent ici dans les banques canadiennes, puis ça relancerait l'économie partout au Canada. Écoute, Tokyo est plus populeux que tout le Canada au complet. Tokyo. Il y a plus que 36 millions de population à Tokyo. Mais il n'y a pas 3 000, 4 000 villes. C'est seulement une ville, c'est Tokyo. Il n'y a pas une armée, puis il n'y a pas 56 000, comme ici, là, si on regarde, là, deux parlements, le Parlement du Québec, le Parlement du Canada, puis il y a les législatures des provinces, du reste des provinces, des 10 provinces et territoires. Hein. Il y a 3 territoires qui ont leur gouvernement aussi. Seulement pour 36 millions. Il y a plus de chefs qu'il y a d'Indiens. T'sais? Imaginez-vous tous les corps policiers, ils viennent d'avoir une augmentation de 18%. Là. Hein? Est-ce que ça aide à l'inflation? C'est normal, le gouvernement a peur de lui. Il est tellement voleur. Hein? Il est obligé de se protéger. Donc, même s'il doublerait les revenus et les salaires, d'une façon ou d'une autre, il va aller chercher l'argent quand même en impôts de ces gens-là. Alors que si l'impôt
est abolie comme je le propose, c'est dans l'intérêt de tous les policiers, dans l'intérêt de tout le monde, des médecins, des victimes, des patients de la santé, tout ça. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Et il y a moyen, tout simplement, d'assurer des bons services de santé. On a de l'argent, c'est riche ici. Écoute, c'est riche. Le produit intérieur brut mondial cette année est de 154 000 milliards, alors qu'en 2011, les transactions pour 34 340 000 de population au Canada, les transactions représentaient 65 700 milliards de dollars. Alors que le produit intérieur brut dans le monde actuellement pour 8 milliards de population est de 154 000 milliards. Donc, c'est même pas deux fois toutes les transactions enregistrées ici. Tu sais, nous autres, 65, c'est un petit peu plus que deux fois. Les transactions enregistrées ici, c'est un peu plus que deux fois. Ça se trouve à deux fois et quart, à peu près, la totalité de la réserve, comment je peux dire, donc du produit intérieur brut mondial, qui est de 154 000 milliards. Pour 8 milliards de population, nous autres, on est 36 millions. Écoute, il va falloir commencer à calculer de bonne manière les universités, c'est quoi? C'est une gang de gnochons qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Hey, donnez-moi des nouvelles là-dessus. On a besoin de ça, là. Salut. Merci.